بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة وبركاته ورضوان. أما بعد، بونجور. Toujours dans le même chapitre, Anissa, les femmes, Dieu nous a donné un type de solution lorsqu'il y a une mésentente conjugale. Maintenant, au XXIe siècle, au XXe siècle, on a commencé à recourir à un tiers pour faciliter la résolution et les solutions dans ces couples-là, qui sont vraiment en état de détresse, qui sont en état de souffrance. Donc Dieu nous dit, vous voyez que l'islam est toujours progressiste, et toujours il veut vraiment donner les bonnes solutions. C'est-à-dire, si vous avez vu que ces deux époux-là vont faire beaucoup de fautes pour aggraver leur cas. C'est-à-dire, si vous voulez qu'il y a une crise, et puis il y a un conflit, et puis il y a une interaction entre ces deux côtés-là, c'est-à-dire, chercher quelqu'un qui est sage, qui sait être un intermédiaire positif parmi la famille de l'épouse et la famille du mari. Et nous dit cela, c'est-à-dire ces deux intermédiaires-là, s'ils veulent vraiment faire du bien à ces gens malheureux, Dieu va les aider à trouver une solution le plus tôt possible. Et nous c'est-à-dire Dieu va donner toutes les possibilités pour que les conflits et les mésententes et les inimitiés, etc., les animosités vont s'évaporer. Parce que Dieu, il est toujours l'omniscient et Khabir, c'est-à-dire l'expert des experts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.